En 1912, Alfred Wegener publie une théorie révolutionnaire proposant une explication scientifique à des phénomènes géologiques et climatologiques jusqu'alors incompris. La recherche en géologie est transformée par cette vision novatrice qu'est la dérive des continents. Ce film ne raconte pas son histoire. Éteins l'alarme et rejoins-nous si tu veux vivre. Visiting the hospital so much, man, they think we work here. Avec le camion, on aurait pris tous les cartons. Il y a que la voiture qui passe la porte. Il va falloir choisir sagement. On va pas y aller au feeling, c'est beaucoup trop complexe, beaucoup trop compliqué. Non, laissez-moi plutôt vous montrer une méthode. On a vraiment pas le temps de faire les calculs, là. Et on a surtout plus de temps. Il est déjà 17h à Hawaï. T'as mieux comme idée? Un truc rapide. On prend les deux grandes priorités, on complète avec des petits et on se casse. Mais non, mais j'allais calculer un truc avec de la certitude, tout. 312 842. Ok, c'est bon pour moi. Parfait, on se casse alors, maintenant. Ouais, moi je suis sûr que je garantissais plus. Hein. Mais là, on est pressé. Les flics peuvent arriver à tout moment, alors on va faire comme un infanterie. On se casse ailleurs, maintenant. Je l'ai vraiment vert de ce casse. Je veux dire, j'apportais le côté formel pour un problème d'optimisation qui était quand même vachement compliqué. Et là, il y a Barry, le mec en salopette rouge, qui arrive et qui dit genre, on n'a pas le temps. Je veux dire, on mettait à raison de 5 secondes par panneau stop. On en mettait 2580 supplémentaires, la police était ralentie suffisamment, je pouvais sortir au moins une meilleure solution. Et non. Le mec, il fait quoi? Oui, pas le temps, blablabla. On prend les deux plus gros, et ensuite on complète avec des petits? Non mais allô quoi? Je veux dire, tu fais un casse de banque, tu prends les deux plus gros, et ensuite tu complètes avec des petits. Non mais franchement quoi, c'est n'importe quoi, c'est pas professionnel. Non mais... Voilà, prochaine fois, j'espère qu'on aura suffisamment le temps et que c'est moi qui aurai le lead de la méthode. Mission accomplie, pas de mort, plus de 300 000 euros. Bien, je suis heureux de voir que l'équipe s'est bien débrouillée. En temps et en heure. Mystique. Votre prochaine mission prendra place dans le sud. Un associé doit partager ses gains au poids. Votre rôle est de vous assurer qu'il m'envoie la plus grosse partie du pactole. Pendant combien de temps? Plusieurs jours. Cette fois, vous aurez le temps de réfléchir à la meilleure solution. C'est cool, ça veut dire que c'est moi qui fais la méthode cette fois. Voici votre contact. Téléphone! Merci Smith. Hélène et les garçons, j'écoute. Salut, ça fart. Leur seconde mission fut un succès. Notamment grâce à Doctrov qui permit de trouver en quelques jours la meilleure répartition du Grisby. L'équipe continua de résoudre les problèmes en employant l'une ou l'autre méthode, rapide et approximative, ou longue et exacte. À ce jour, ils courent toujours.